Alors, Hayomi, Sfirat HaOmer, le mieux, c'est du début de la nuit, au début de la nuit, de compter le Sfirat HaOmer. Bien sûr, c'est bien de faire Tfilat Arvit. Mais si moi je prie Tfilat Arvit à 9h du soir, et la tombée de la nuit, c'est à 7h. Le mieux, c'est de compter, de faire la bracha et de compter. Et la nuit, et lorsque plus tard je prie, et alors je ne compte pas avec le tzibour. Et si je prie tôt, quelqu'un qui prie à la Shkia, et ce n'est pas encore la tombée de la nuit, est-ce que le mieux c'est de compter avec le tzibour ou pas? Le mieux c'est de compter sans la bracha et de faire une condition, un tnaï, et de dire, je compte sans la bracha. Si je me rappelle la tombée de la nuit, je vais compter avec la bracha. Et on ne va pas me compter ce que j'ai dit sans la bracha. Et si je ne me rappelle pas, eh bien, ça va me servir que le lendemain, la nuit, que je me suis rappelé que je n'ai pas fait la bracha, ça, c'est bon et je vais continuer à faire la bracha. C'est pour ça que c'est mieux si quelqu'un est pris à la Shkia, dans Ben Hashmashot, c'est de compter avec condition que si je me rappelle à la tombée de la nuit, je fais la bracha, ça va me sauver si j'oublie jusqu'à le lendemain. Ça va me sauver. Donc je peux continuer avec la bracha.